Chers internautes du Guépard Connect, bonsoir et bienvenue dans l'émission L'invité du Guépard. En partance pour le pays de l'oncle Sam, les États-Unis, et profitant d'un bref séjour en Europe, votre site internet a profité de cette situation pour tendre son micro à une personne ressource de la République de Guinée. Il s'agit de M. Sekouya Barry. M. Sekouya Barry est un responsable séculaire de la jeunesse de l'UFR, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la jeunesse depuis que M. Sidya Touré est à la tête de ce grand parti. Il est également membre du conseil politique très proche, j'insiste là-dessus, très proche de M. Sidya Touré. Il est député de l'Assemblée nationale guinéenne, faisant partie du groupe parlementaire des Républicains. Monsieur Barry, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes actuellement en France et vous partez aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons de votre présence ici en France? Écoutez, j'ai fait une escale de 6 jours ici. J'ai appris qu'il y a des jeunes Guinéens qui se retrouvent, la diaspora guinéenne qui se retrouve autour des thèmes, notamment sur la culture, sur l'éducation, sur l'emploi des jeunes, à Paris ici. Et organisé par Conakry sur scène. Donc j'ai assisté à cette rencontre où le débat était sur les questions liées aux questions de culture dans notre pays, de l'emploi, mais aussi de l'immigration. Et un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que en tant que député et avec d'autres députés de la CEDEAO, nous sommes en train de voir les possibilités de faire en sorte qu'une convention soit ratifiée au niveau des pays africains, mais aussi au niveau mondial, pour faire en sorte que la transformation des matières premières, la première transformation des matières premières, se fasse en Afrique, avant d'être finalisée en Occident ou dans les pays du métropole. Pour la simple et bonne raison, cela veut diminuer la migration parce que ça crée de l'emploi. Ça permettra aux jeunes de rester dans le continent. Nous avons vu beaucoup de projets sur l'immigration, mais nous pensons que le projet fiable pour empêcher l'immigration, il faut lier l'immigration à l'emploi et à la création des activités dans le continent. Et cela est dû, passe fortement par la première transformation des matières premières qui sont généralement extraites en Afrique. Alors est-ce que vous pensez que, ou bien vous pensez que c'est l'une des solutions, ou c'est la seule solution? Nous estimons que c'est une bonne solution. Vous vous rendez compte que nous sommes un pays, la Guinée est un pays qui regorge beaucoup de ressources naturelles, notamment la bauxite, le fer. Et nous est-ce aujourd'hui, c'est la terre qu'on transporte à l'étranger. Il est important, à un moment donné, FRIA faisait la première transformation et ça donnait de l'emploi. Mais nous estimons qu'aujourd'hui, que tous ceux qui vont investir en Afrique doivent se pencher sur cette question et voir et donner une période moratoire pour leur permettre de s'adapter afin de faire en sorte que les premières transformations, de la bauxite à l'alumine, au moins, ça permet de donner de l'emploi, de l'extrait du caoutchouc, en transformant cela, en faisant une première transformation, mais aussi les autres métaux que nous avons dans le continent, cela permettrait de garder les jeunes dans le continent. Bien sûr, tout cela va concomitamment avec la formation que nous devons assurer pour que les gens-là se préparent à l'emploi, pour le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui, honorable, que c'est quand même un beau projet, que demain, ce projet-là verra le jour? Est-ce que vous avez des garanties pour ça? Je pense que nous avons tous intérêt. Aujourd'hui, nous pensons que l'Europe, aujourd'hui, pense être acculée par ces vagues de migrants qui viennent en Afrique et qui quittent l'Afrique pour l'Occident à la recherche du bien-être. Et c'est le combat de tout un chacun, le bien-être. Alors, ils estiment, ils rêvent qu'en venant en Europe, il y a de l'emploi, il y a des possibilités de gagner pour subvenir aux besoins de la famille en Afrique. Donc nous estimons que et les Européens et les Africains ont intérêt que ce genre de projet soit, comment dirais-je, épaulé, afin d'aider
à garder une bonne partie de la population dans le continent. La migration, on ne peut pas arrêter totalement, mais ça serait utile et ça permettra à chacun d'en profiter des ressources que nous avons dans le continent. Dans votre présentation, je le disais tantôt, M. Barry, que vous étiez un responsable séculaire de la jeunesse de l'Union des Forces républicaines, c'est-à-dire que vous gérez cette jeunesse depuis que M. Sidya Touré, depuis près de 20 ans, à la tête de ce parti. Je profite de cette occasion pour vous poser la question de savoir aujourd'hui comment se porte l'UFR. Et vous avez très bien fait de poser cette question, parce que la jeunesse est la colonne vertébrale d'un parti politique. C'est à travers la jeunesse qu'un parti vit, et les femmes bien sûr aussi. Mais en ce qui concerne cette jeunesse, aujourd'hui nous sommes en pleine réforme au niveau de la jeunesse du parti. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'équipe qui a existé depuis l'arrivée du président Sidya Touré à la tête de l'UFR, nous avons fait du chemin. Il est important de laisser la place à une autre équipe de jeunes dynamiques, d'autant plus pour se conformer à la convention africaine, à la convention africaine qui donne les tranches d'âge de la jeunesse entre 18 et 35 ans. Même si nous ne pouvons pas arriver à respecter totalement cela de 18 à 35 ans, mais quand même, il faudrait des jeunes allant jusqu'à 40 ans, une nouvelle équipe que nous avons encadrée afin de continuer l'œuvre que nous pensons noble, que l'UFR s'est donné, de faire en sorte que ce pays-là se sorte de l'ornière. Une question peut-être que je vous pose à vous, est-ce que vous pensez que, comme ça se passe, hein, nous savons que c'est un peu difficile dans les partis politiques, que cette restructuration est quelque chose d'aisé à mettre en place? C'est vraiment pas toujours facile pour certains. Mais nous avons, vous savez, l'UFR est composé des hommes qui sont conscients et nous avons la capacité de nous céder les places quand nous savons que nous avons atteint un certain niveau et que pour dépasser cela, il faut un autre. Et c'est là la force et la valeur des hommes qui régorgent l'UFR. C'est pas si facile parce que changer quelque chose qui marche pose des problèmes et c'est le saut dans l'inconnu des fois. Mais il faut reconnaître que à l'UFR, nous avons des jeunes talentueux qui ont prouvé leur capacité managériale, leur capacité de mobilisation. Il est important de tester et de les encadrer pour permettre le changement à l'interne de s'opérer. Et cela amènera aussi à ceux qui étaient jeunes de prendre d'autres dimensions au sein du même parti pour permettre le parti à être toujours dynamique. Bon, vous m'avez posé la question de savoir comment se porte l'UFR, parce qu'on parlait de la jeunesse. Mais il faut reconnaître que l'UFR se porte très bien. Et les gens peuvent penser que nous sommes en période d'hibernation, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes un parti politique qui, jusque-là, a montré sa volonté de faire de la Guinée un pays où tous les Guinéens se sentent chez eux. Un pays qui, nous nous battons pour le développement de ce pays. Et cela dit, nous avons engagé une procédure, comme j'ai dit, de restructuration et des stratégies pour nous mettre sur le travail. Et vous vous rendrez compte sur les réseaux sociaux qu'il y a une influence de personnes qui arrivent ou qui demandent à intégrer l'UFR et nous faisons des stratégies que nous ne dévoilons pas sur la place publique toujours, mais qui portent aujourd'hui. Parce que vous vous souviendrez, il y a des moments où il y a eu des attaques, pourquoi l'UFR, même à son assemblée, il n'y a pas de monde et tout ça. Et ils ne savaient pas que nous sommes en train de faire un travail de terrain. Et aujourd'hui, allez-y voir ce qui se passe à notre siège et vous vous rendrez compte que c'est des personnes de qualité qui arrivent à notre siège, parce que la différence entre nous et d'autres partis politiques dans le pays, c'est le fait que nous, nos assemblées générales, c'est les responsables du parti qui viennent, les responsables. Ce n'est pas les militants simples qui viennent, c'est les responsables des structures du parti, de la fédération, des sections, qui viennent pour avoir des informations et répartir, faire leur assemblée générale,
dans leur fédération ou dans leur section. C'est comme ça que nous, nous fonctionnons. Alors, nous ne sommes pas un parti populiste qui appelle la foule pour faire montrer que nous existons. Non, nous faisons un travail méthodique. Et nous pensons que c'est ce qui paye. Et c'est ce qui est durable et qui peut nous amener là où nous voulons arriver. Être président de la République. Et nous souhaitons que les Guinéens aient confiance en nous. Dans ce cadre-là, nous battons pour que 2020 soit Sidia au pouvoir. Monsieur Valli, selon les informations que nous avons, l'UFR est devenu, permettez-moi, un parti un peu illisible. Parce que tantôt vous êtes dans l'opposition, tantôt on vous colle l'étiquette d'un parti qui est avec la mouvance. Parce que vous avez quand même le président du parti qui est nommé au représentant du président de la République. Vous avez le ministre de l'élevage, l'actuel ministre de l'élevage qui vient de l'Union des forces républicaines. Puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comment est-ce que vous pouvez un petit peu nous démêler tout ça? Vous savez, il y a eu beaucoup de débats autour de cette question et nous avons donné des réponses. Mais malheureusement, ça continue parce que quand on veut te nuire, on te taxe de tous les noms d'oiseaux. Il faut les connaître. Je vais donner un exemple simple. En 2008, il y a eu dans le gouvernement Soaré l'opposition qui est rentrée dans le gouvernement. Et dans ce gouvernement, seul l'UFR n'a pas participé, a refusé d'amener un membre de ce groupe dans ce gouvernement à l'époque. Cela n'a pas empêché que tous ceux qui avaient des représentants dans ce gouvernement de faire le combat avec nous dans l'opposition. Mais parce que c'est l'UFR, ça pose problème. Vous vous souviendrez qu'après les élections présidentielles où le professeur Alpha Condé est élu président de la République, Kouyaté avait deux ministres dans le gouvernement. Il a continué à lutter dans l'opposition. C'est le jour où on a été attaqué chez lui, à Imbaya, qu'une décision a été prise de sortir nos représentants, non seulement dans les gouvernements, de sortir ses représentants dans le gouvernement d'Alpha Condé, et nous de sortir nos représentants au niveau du Sainté. Il faut bien le savoir. Mais parce que c'est l'UFR, ça pose problème aux gens. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que pendant les 5 premières années de la gestion d'Alpha Condé, on s'est battu pour qu'il y ait des élections, pour des manifestations. Et il y a eu tant de blessés, tant de morts et tant de biens gâchés. On s'est dit, 2015, il est élu. Est-ce qu'il faut continuer à faire les mêmes manifestations de rue? Est-ce que nous avons servi la population guinéenne pendant ces 5 premières années? Parce que tout ce que nous avons obtenu n'a servi qu'à 114 députés à l'Assemblée et quelques conseillers communaux, on dit les délégations spéciales dans l'opposition, qui profitent au dos d'un ensemble. Nous nous sommes dit que le combat que nous menons est le combat pour le peuple. Tant que nous pouvons aider à ce que les choses changent et que notre expertise, parce que s'il y en a suffisamment, qu'on le veuille ou pas, tu peux accuser ton chien de tous les noms d'oiseaux, mais tu ne peux pas dire que ses dents ne sont pas blanches. Donc, Tidia est quelqu'un qui est compétent, qui a de... Si le chef de l'État a discuté avec lui et qu'il a pensé qu'il peut l'aider à régler un certain nombre de problèmes, mais nous nous disons que nous sommes en mesure de donner l'expertise que nous avons pour servir au moins un peu cette population et amener la calme pendant les 5 prochaines années. Voilà la logique qui nous amène à calmer la situation. Cela dit, ça ne nous dédouane pas de critiquer le gouvernement quand ils sont en train de faire des déroutes ou des dérapages dans la gestion. Et nous le faisons, c'est ça. Donc nous sommes une opposition constructive qui pense que quand c'est bon, ou quand on peut aider, on peut aider. Et quand ce n'est pas bon, nous les ramenons à l'ordre. Mais ce n'est pas nous qui sommes élus par le peuple guinéen. C'est Alpha Condé qui est élu par le peuple guinéen. Quitte à lui de prendre nos propositions ou de ne pas prendre nos propositions, c'est lui qui doit rendre compte de sa gestion pendant les 5 années. Ce n'est pas Sidia Touré. Mais nous proposons notre expérience. Nous avons une volonté d'aider le peuple, parce que mais c'est lui que le peuple a élu. À lui de saisir l'opportunité
de nous utiliser à bon escient pour aider la population à se sortir d'affaires. Mais s'il ne le fait pas, nous ne serons pas responsables de cela. Et ça nous amène à critiquer quand ce n'est pas bon. Vous avez vu quand le cas de Boké s'est posé, comment le président Sidia s'est indigné à réagir. Vous avez vu le cas du code électoral. Le code électoral où la mouvance et cette opposition républicaine se sont entendues pour prendre en otage la population. Parce que quoi de plus légitime de laisser les populations choisir les responsables, les premiers responsables? Ça nous règle beaucoup de problèmes. Le problème de sécurité, le problème d'ordure à Conakry. Parce que quand la personne est légitime, les gens ont enclin de suivre ses dires, ses conseils et d'accepter ses propositions au niveau du quartier. Mais malheureusement, si c'est le dictat ou c'est quelqu'un qui est désigné, il n'a pas de compte à rendre à la population. Il n'a de compte à rendre qu'à ses responsables. On a eu des exemples, les délégations spéciales. Combien de présidents de délégations spéciales ont eu des problèmes, ont été envoyés en prison? Je prends le cas de Mamou. Ou parce qu'il est désigné par un parti politique. Je prends le cas de Tugué actuellement, qui est en prison à l'abbé. Vous comprenez? Parce qu'il est président de délégation spéciale à l'abbé. Je prends le cas de Boké, où il y a une révolte des conseillers sur le président de la délégation de Boké. Parce que tout simplement, cette personne désignée est désignée par un parti politique, mais pas par la population, élue par la population. Donc ça pose un problème sérieux. Nous avons estimé que c'est ce qu'il faut faire pour aider la population à construire la démocratie à la base. Et malheureusement, nous n'avons pas été suivis parce qu'il y a des intérêts malsains au niveau de certains partis politiques pour prendre les quartiers en otage afin que ces chefs de quartier jouent un rôle pour leurs élections futures, alors que la loi interdit que les chefs de quartier ne se mettent de se mêler au processus électoral. Dans les processus, ils assistent les CENI. Et c'est pourquoi nous disons que le combat était ailleurs, mais malheureusement, ils n'ont pas suivi. Le combat était au niveau de la CENI. Si nous avions fait un travail pour permettre la pérennisation des structures déconcentrées de la CENI, on n'allait pas avoir ce problème. Parce qu'ils vont régler ce problème au niveau des quartiers. Mais si c'est à l'approche des élections que nous prenons les représentants de CENI, les démembrements de la CENI, il va sans dire que c'est le chef de quartier qui va les recevoir, parce que c'est eux qui connaissent le quartier. C'est le chef de quartier qui va les aider à distribuer les cartes électeurs. Et c'est le chef de quartier qui doit leur montrer qui sont ceux-là, les populations qui sont dans les quartiers. Donc il fallait faire le combat ailleurs, mais malheureusement, ils ont voulu faire un jeu qui les arrange. Voilà. Donc c'est... Ça prouve à suffisant notre position en tant que parti politique et l'indépendance de l'UFR. Aujourd'hui, vous êtes du centre, de la mouvance ou de l'opposition? Nous sommes de l'opposition, mais pas une opposition républicaine qui, à mon sens, ne pousse pas son raisonnement et ses réflexions trop loin. C'est des réflexions qui s'arrêtent à mi-chemin et malheureusement qui ne résout pas le problème que nous cherchons. Le problème de Guinée. De toute façon, on va revenir là-dessus. Monsieur Barry, le 28 septembre 2017, ça sera 8 ans, disons, depuis qu'il y a eu l'événement du 28 septembre 2009. 8 ans que plus de 150 Guinéens ont été massacrés au stade du 28 septembre. 8 ans, plus de, je ne sais pas combien de femmes ont été violées à ciel ouvert. Je ne pose pas cette question en tant que responsable de l'Union des forces publiques. Quoique vous êtes quand même un élu de la République, vous êtes un député, je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que les victimes n'attendent pas de procès, rien, 8 ans après. Je dois d'abord vous avouer que moi-même je suis victime psychologique, parce que j'étais le président de la commission maintien d'ordre de cette manifestation. Donc, Baoulé était le président de la commission d'organisation.
mais je présidais la commission maintien d'ordre. Vous vous souviendrez que Dadis avait dit que les militaires ne sortiront pas du camp pour assurer notre sécurité. Et que si les boutiques sont gâtées, c'est à nos risques et périls. Donc on avait pris des dispositions pour empêcher cela et j'étais le président de cette commission. J'avoue que 28 septembre, c'est quelque chose de jamais vu se passer dans notre pays. À ciel ouvert, plein journée, où les gens ont été massacrés, les filles, femmes violées. Je dirais qu'il y a eu un peu, il y a eu beaucoup de manque d'orientation réelle, de ténacité pour le gouvernement à mener rapidement à terme ce problème. Et c'est là où je vais les interpeller, c'est d'accélérer cette procédure parce que, selon les informations reçues, la Cour pénale internationale a une période d'observation qui est de 3 ans pour voir si les États sont en mesure d'amener à terme ce genre de jugement. Mais malheureusement, nous avons dépassé il y a 8 ans. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille, il faut que le gouvernement se réveille pour accélérer la procédure afin de gérer rapidement ce problème parce qu'il y a eu trop de victimes. Et je crois, ces derniers temps, j'ai appris qu'il y a des interpellations en cours, mais il ne faut pas aller en dandoucie, il ne faut pas aller en intermittence. Il faut faire ça de façon linéaire, aller rapidement pour mener à bien ce processus. Les Guinéens en ont besoin de savoir. Et cela empêche que les atrocités ne se répètent dans notre pays. Nous avons eu l'impunité depuis beaucoup de générations. La Première République, il y a eu la Deuxième République. Mais malheureusement, on a la tendance à croire que tous ceux qui ont fait ces éviations méritent des médailles. Parce que c'est ce qu'on se rend compte. Parce qu'ils se changent de position, de place. Et surtout, ils changent de veste selon les régimes. Je me dis, aujourd'hui, ce problème permettrait aux Guinéens de faire attention pour les prochains régimes qui vont se succéder. Et ils feront attention s'ils se rendent compte qu'ils seront jugés pour des agissements qu'ils feront sur la population guinéenne. Et on a la tendance aujourd'hui à croire que tout ce qu'on interpelle pour être, pour vérifier leur participation, se victimise par rapport à cette question. Mais ce n'est pas le cas. L'histoire est têtue. Et tu ne peux pas faire du tort à un peuple et penser qu'un jour ça ne sortira pas. Non, non, non. Il faut arrêter. Il faut déjà que le gouvernement nous aide à faire arrêter cela, parce que c'est pour le bien du pays et c'est pour l'avenir de notre nation. Tous ceux qui sont impliqués dans ça doivent être jugés. Ceux qui ne sont pas impliqués seront blanchis. Mais vraiment, je demande au gouvernement d'accélérer la procédure pour aider les Guinéens à mieux souffler, à savoir, à faire les deuils, voilà, et à repenser les plaies. Voilà. L'actualité, c'est est-ce que au-delà de 2020, l'actuel président M. Alpha Condé, à la tête de la Guinée depuis maintenant 7 ans, disons, restera ou il partira? Donc l'affaire de troisième mandat pour les uns, d'autres le pouvoir à vie pour d'autres. Est-ce que aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à ça? Parce qu'il y a des gens qui nous disent tant que le président de la République n'est pas encore officiellement prononcé, nous, on se dit que ce n'est pas un débat pour le moment. Mais vous, en tant qu'observateur averti de la vie politique guinéenne, quelle est votre position là-dessus? Écoutez, moi je pense que ce n'est pas un débat. Ça ne devait pas être un débat. Mais malheureusement, on en fait un débat. Mais la Constitution est claire là-dessus. Il ne faut pas sauter la Constitution. La Constitution, pour un musulman, c'est comme le Coran. Est-ce que vous êtes à mesure de changer les versets du Coran pour en faire autre? Non, c'est figé. À mon sens, la question ne se pose pas.
Aujourd'hui, ça doit être le souci du président de la République, c'est comment finir son mandat et assurer et les promesses qu'il a tenues à la population. Mais pas vous couper la parole. Est-ce que vous ne trouvez pas le fait que lui aussi il entretient le flou et le suspense là-dessus? C'est ce qui fait que ça fait débat, n'est-ce pas, M. Valli? Oui, certainement. C'est certainement ça fait débat par le fait que il n'a pas déclaré officiellement. Mais il n'est pas obligé. Je vais dire quoi? Vous me permettrez de le dire. Parce qu'il sait ce qui est dans la Constitution. Il sait que c'est des articles qu'on ne peut pas changer. Il le sait. Mais ça a été le cas dans d'autres pays où il y a des articles qu'on ne peut pas changer. Le moment venu, en ce moment, on avisera. Mais pour, jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est pas prononcé sur la question. Et je pense que ça ne devait pas être un débat. Notre souci doit être comment nous devons nous organiser pour changer les choses dans ce pays. Et lui-même, son souci doit être comment aider à respecter ou bien à tenir les promesses qu'il a eu à tenir sur la population. En tout cas, en ce qui concerne le faire, nous sommes candidats en 2020. Et moi, je pense, ça ne me concerne que le débat du troisième mandat ne mérite même pas d'être posé. Oui, justement, parce que sur cette ficelle, c'est cette responsabilité incombe au président de la République. Il y a d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Libéria, où les présidents de la République ont bien sûr, comme vous avez dit, le souci du quotidien de leur population, mais en même temps, ils les ont rassurés en les disant, écoutez, nous, on se plie à ce que dicte la Constitution. C'est-à-dire qu'en 2020, on s'en va. Pourquoi le président de la Guinée, lui, quand on lui pose la question, quand en tout cas les médias l'entretiennent là-dessus, il ne veut pas être clair? C'est ce qui fait que ça fait débat, n'est-ce pas? Je ne suis pas à la place de Alpha Condé, mais en tant que citoyen, je réfléchis sur ce qui est prévu. Pas sur la cogitation intellectuelle, pas sur ce que les gens imaginent. Je ne suis pas dans l'imaginaire, parce que je suis dans le concret. Je crois que la Constitution m'a donné quelque chose à lire et à respecter, je suis dans ce cadre-là. Donc, tout ce qui brode autour, ou qui tourne autour, ou qui s'agite, c'est vrai qu'il y en a qui aimeraient bien, parce qu'ils ont des intérêts en jeu. Peut-être que ce n'est même pas dans l'intérêt de Alpha Condé. C'est dans leur intérêt que ça il reste pour qu'ils puissent encore continuer à pomper le pays. Mais ce qui est clair, c'est que je pense qu'il est si averti, en tant qu'homme politique, averti, pour mener à bien cela et nous amener vers une élection normale en 2020 sans ramener le pays. Parce que lui-même, il le dit, que s'il voulait la guerre, il l'aurait fait au temps de Conté en 93. Je crois que c'est quelqu'un qui n'aimerait pas faire cela pour la Guinée et il va respecter cette... Je vous interpelle, M. Valli, vous êtes, comme je l'ai dit, vraiment quelqu'un qui a depuis près de 20 ans géré la jeunesse, l'Union des défenseurs républicains. Vous êtes un élu de la République, vous êtes député. Récemment, il y a eu des arrestations à Conakry, notamment de Eli Kamano et de Takana Yarou. Et un jour, il y avait un débat sur l'éventualité d'un troisième mandat à Guinée sur RFI. Le signal a été coupé à Conakry. Tout ça ne vous interpelle pas? Ça, en fait, ça interpelle. Mais vous savez, il y a, et justement, ça revient au cas du 28 septembre. Beaucoup de choses se sont passées le 28 septembre. Beaucoup pensent que c'est Dadis seulement. Non, mais il y a l'entourage. Il y a certains qui ont agi plus que Dadis pour nous mettre dans une situation irréversible qui nous a menés vers ce qui est arrivé au 28 septembre. Alors, pour l'affaire de cette radio RFI, on peut toujours dire que c'est le chef. Peut-être, c'est possible. Mais jusque-là, je n'ai aucune preuve en tant qu'élu du peuple pour dire que c'est lui qui est totalement et réellement à la base de cela. Mais l'arrestation aussi des jeunes gens, je me suis levé contre. Je me suis dit que il y a eu une presse qui m'a interpellé sur la question. J'ai demandé de libérer les jeunes gens. Nous sommes en apprentissage démocratique, mais nous devons être forts parce que il y a des choses qu'on ne peut plus, qu'on doit quand même, on ne réinvente pas la roue. Les manifestations, c'est de la contradiction que sort la vérité.
on le dit souvent, et que si nous n'acceptons pas la contradiction, c'est que nous sommes amenés à mettre notre pays dans une situation chaotique. Les gens qui pensent, et quand leur pensée les amène jusqu'à sortir dehors pour dire qu'ils manifestent, il faut les encadrer, il faut les respecter. Et c'est ce que j'ai dit, il faut respecter Takana Jayon, c'est un jeune qui se bat, il faut respecter Eli Kamano, quand il s'élève pour demander, montrer leur frustration, ou réclamer un éclaircissement sur des questions qu'ils pensent importantes à leurs yeux, c'est normal qu'ils le fassent. On n'a pas à les brutaliser et on a à les respecter dans ces conditions-là. Et c'est ma question. Donc, moi, en tant que chef Kouyabari, je ne sortirai pas pour le moment avec une pancarte pour dire que troisième mandat, je ne suis pas. Mais si Eli Kamano pense que c'est maintenant qu'il faut sortir pour dire mais je respecte son opinion, je respecte ce qu'il pense, et il faudrait que les gouvernants arrivent à comprendre que le monde a évolué et que c'est de la contradiction que la vérité jaillisse, et ils doivent respecter les gens. Et ça peut même les aider dans la gestion des affaires. Récemment, vous étiez sorti pour dire que vous aviez des points communs avec le Front pour l'alternance démocratique, constitué par M. Silla, Mouhtar Diallo et Jean-Marc Téliano. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? En fait, c'est parce que je pense qu'ils se sont rendus compte stratégiquement. Est-ce que c'est parce que vous avez quitté, parce que vous étiez, il faut le reconnaître, de l'opposition républicaine? Nous sommes fondateurs. Voilà, c'est dans le bureau de Sidia. Est-ce que c'est parce que vous avez quitté, ils ont compris que vous avez raison, et eux aussi ils ont quitté, mais en constituant un autre mouvement à part? À préciser, c'est dans le bureau de Sidia que l'opposition républicaine a vu le jour. A vu le jour. Donc, ça c'est important de le dire. Mais après 2015, on s'est dit qu'on n'a pas les mêmes chemins parce qu'on n'a pas les mêmes réflexions que ces gens-là, cette opposition républicaine. Et on n'a pas la même vision de la manière dont les choses doivent se passer. Nous ne sommes pas partisans du chaos, vous comprenez? Nous sommes partisans de la réflexion de l'unité des Guinéens pour faire avancer le pays. Et chez nous, les peuples l'ont dit, c'est deux personnes qui cassent une main. C'est lui qui résiste et c'est lui qui la tient. Vous comprenez? Donc on s'est dit qu'il faut faire attention pour qu'on puisse changer les choses et faire accepter notre idée pour 2020. Voilà la raison fondamentale. Et on s'est dit sortir dehors tout le temps pour faire massacrer les gens, faire perdre les gens les biens, sans avoir une lisibilité de ce que nous voulons après cette manifestation, on s'est dit qu'on n'est plus dedans. Et c'est ce qui s'est passé pendant les premiers 5 ans. On sortait tout le temps. Et il y a des gens qui perdaient leur vie. Et que les massacres sont pour peu de résultats. Vous comprenez? On s'est dit que ces résultats sont tellement infimes par rapport à la vie perdue qu'il faut réfléchir sur une autre méthode de gérer les affaires de l'opposition. Et je crois que l'opposition, le Front pour l'alternance démocratique, a compris. Justement, j'ai assisté à cette rencontre-là, et ils ont compris un peu plus tard ce que nous avons compris, parce que la politique se gère avec la tête, c'est pas avec le cœur. Quand le cœur vous oriente, vous êtes souvent mal orienté, parce que c'est les impulsions, vous comprenez? Mais il faut gérer avec la tête, et c'est ce que nous faisons. Nous pensons qu'eux aussi, ils s'organisent à leur façon. Les manifestations, les dernières manifestations, vous avez vu, ils disent qu'ils ne sont pas pour. Parce que quel était l'objectif? Si c'est les accords du 12 août 2016, tout était en cours pour être réglé. Premièrement, ils ont eu le code électoral qu'ils ont voulu. Bien que nous, ce code électoral, on n'était pas d'accord. Mais comme nous sommes républicains, la constitution a tranché, nous ne pouvons pas revenir sur cette question. Ils ont réussi. Ils ont parlé d'indemnisation des victimes. Le gouvernement dit, donnez-nous la liste exhaustive des victimes. Malheureusement, la balle était dans leur camp. Est-ce que vous comprenez? Ils manifestaient pourquoi? En fait, pourquoi? On ne comprenait pas pourquoi la manifestation, parce que
ils sont dans le comité de suivi et ils sont tous les jours dans les réunions. Et quand ils sortent de là, ils annoncent toujours qu'il y a eu des avancées. Mais pourquoi ils manifestaient? Parce qu'ils réclamaient la même chose qui se trouvait au niveau du comité de suivi. Donc on s'est dit que ce n'était pas la peine. Et c'est ce que le FAD a compris. D'ici, nous devons manifester. On peut manifester pour le manque de route, manque de panier de la ménagère, manifester pour la mauvaise formation de nos enfants, manifester pour des sujets qui intéressent la population à la base, mais pas manifester pour des intérêts à eux, qui les amènent à être... Je vous assure qu'il y a certains, aujourd'hui, si vous demandent que l'Assemblée se prolonge jusqu'en 2020, ils seront d'accord. Ou bien que... Parce que ça dans leur intérêt. Donc, ou bien que les délégations spéciales continuent à vivre, à exister dans le pays, ils seront d'accord. Ce n'est pas nous notre objectif. Notre objectif, c'est d'aider à ce que la démocratie s'instaure normalement. Et que les gens, c'est éducatif un peu, parce que c'est amener les gens à comprendre que quand nous avons des idées contraires, ça ne veut pas dire qu'on est ennemi, mais c'est que tu dois tenir compte de mes idées pour prendre une décision. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui, de façon civilisée. Civiliser la politique en Guinée. Voilà, nous arrivons au terme de cet entretien. Vous êtes un élu de la République, député, je rappelle, de l'Union des Forces Républicaines à l'Assemblée nationale. 2020, c'est dans, disons, 2 ans et demi. Est-ce que vous pensez que cette fois, c'est la bonne pour l'UFR? Nous pensons, vous savez, je suis croyant. Je pense que la finalité, c'est Dieu qui donne. Mais en réalité, nous mettons tout en œuvre pour que les Guinéens aient confiance en nous et qu'ils ne se trompent pas pour le choix d'un homme capable d'abord de réconcilier les Guinéens entre eux et d'être équitable entre les Guinéens. Et nous pensons que Sidia est cette personne. Il a non seulement la compétence, il a l'expérience qu'il faut. J'entends les gens dénigrer ici et là. C'est les médiocres qui peuvent dénigrer Insidia. Parce qu'ils ont peur de l'arrivée d'un homme capable de gérer les affaires et qu'ils ne trouvent pas leur place dans la machine qui va amener la Guinée vers le développement. Et c'est pourquoi ils font tout pour le dénigrer en utilisant des stratagèmes. Mais j'avoue que nous essayons d'être au niveau de la population à la base, pour véhiculer le bon message et les amener à comprendre que ton parent, c'est Dieu qui te le donne. Mais ton ami, c'est toi qui le cherches. Et le parti politique, c'est un ami. C'est un ami des personnes qui ont un même idéal, qui pensent développer cet idéal, et chacun tire profit pour en faire profiter sa famille après. Mais ce n'est pas une affaire de famille, le parti. C'est une affaire des personnes qui ont la même conviction et qui ont la même orientation pour amener le pays vers un devenir meilleur. Et nous pensons que l'UFR est ce parti qui est capable de faire cela. Donc vous pensez que 2020 ne sera pas comme... Parce qu'on a eu quand même une expérience amère en 2010. Oui. Je pense que 2020 ne sera pas comme 2010. Nous avons acquis beaucoup d'expérience. Oui. Je crois que les Guinéens aussi ont beaucoup compris. C'est beaucoup de questions. Dire que chacun va choisir son parent pour l'amener au pouvoir ne sert plus à rien parce que ça fera des forces éclater. Imaginez-vous par exemple, en Basse-Côte, il y a eu 9 candidats aux élections présidentielles de 2010. Vous prenez la forêt, il y en avait eu combien? Vous prenez le Fouta, il y en avait combien? On se rend compte qu'une partie seulement de la Guinée ne peut pas élire un chef de l'État. Il faudrait que ce soit des Guinéens qui élisent le chef de l'État. Et c'est dans cette optique que nous nous lançons. Et nous allons vers la conscientisation de cette population à la base pour enfin de choisir le meilleur parmi ceux-là qui seront candidats. C'est lui qu'ils ont vu à l'œuvre ou qu'ils ont vu ailleurs ou ici à l'œuvre.
une pension quotidienne et implacablement cette personne qui peut nous sortir de là. Je parle aux gens qui sont conscients. Hein. Je ne parle pas à ceux-là qui mettent l'émotion devant. Je parle à ceux-là qui mettent la raison devant. Voilà. Voilà, il est de coutume chez nous de demander à nos invités leur dernier mot avant de clore cet entretien, monsieur le député. Écoutez, je suis d'abord très heureux d'être sur votre plateau et je salue vos fidèles internautes. Et j'avoue que la Guinée, c'est notre pays. Nous avons besoin de faire de notre pays un pays de référence. En Afrique, et pourquoi pas dans le monde. Mais nous devons nous sortir de ces idées subjectives qui ne nous mènent à rien parce que ça ne peut pas faire avancer le pays. Nous devons tous rechercher les compétences pour nous amener vers un devenir meilleur. Et c'est pourquoi je demande à tout Guinéen de s'activer fortement pour que dans le choix de nos responsables locaux et nos responsables futurs au niveau national, que ce soit la compétence qui prime, l'expérience et la compétence qui prime. Et ça, je les demande, j'implore, pour garder l'unité de notre pays, pour faire avancer le pays, il faudrait cela. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes en déroute. Et c'est l'éternel recommencement à tout bout de champ. Et d'ailleurs, quand nous faisons ce genre de choix émotionnel, généralement c'est le plus mauvais qui arrive. Voilà, j'espère que ce que vous avez dit, l'honorable, tombera dans de très bonnes oreilles. En tout cas, merci de continuer à pratiquer ce RTV de la diaspora et de la diversité. J'ose espérer que ça ne sera pas la dernière fois que l'honorable Saïd Koubali passe nous voir. Merci de nous avoir suivis, où que vous soyez dans le monde.